êtes fous. Je me couche. On suit. Vous êtes morts, les gars. On suit. Et je mets mon italien. Et toi, t'as quoi? Carte, messieurs. Kems. Bienvenue sur Villebrequin. Aujourd'hui, premier projet sur ce fabuleux multiplat que vous avez apprécié et qui arrivait en tendance mine de rien. Et aujourd'hui, nous lui préparons un premier projet. Nous avons lu et écouté tous vos commentaires. Il est souvent revenu que le tuning vous intéressait un petit peu. Donc, nous allons aujourd'hui préparer le premier Fiat multiplat un peu tuning. Un peu sport. Attention, nous nous sommes donné des consignes. Des consignes. Oui. Nous devions commander chacun, lui et moi, ouais, sur le site qui va être bipé précédemment, que vous connaissez tous. Donc le site, on parle bien du site où il y a 50 milliards de pièces tuning pour environ un bal, qui n'en a aucune de qualité, mais que de toute façon, on n'a pas de budget, donc c'est pas grave, voilà. Et surtout, on les a même pas déballés les produits, c'est-à-dire qu'on va les déballer en même temps que vous. Ils sont juste là. Ouais. Bon, on va commencer, on va peut-être s'ouvrir les colis qu'on avait nous-mêmes commandés. Ah oui, au fait, on est chez les poteaux de benzine. Hein, toujours, hein, les mêmes. Donc toujours les mêmes, hein. Merci, c'est sympa. Un café nommé benzine. Non, qu'est-ce que c'est que cette... J'ai cru c'est que c'était... Charlotte. J'ai cru que c'était un camembert. C'est une charlotte aux fraises. C'est quoi cette merde? Oh oui. Oh, le fameux... T'as pas osé. C'est un tour de volant. Oh putain, je vois. En velours rouge. Il est atroce. Il est splendide. Et il y a le frein à main abominable en velours rouge et le levier de vitesse en velours rouge. Il est abominable. Un ensemble en velours rouge. T'as payé ça combien avec le compte de Villebrequin? Je pense que c'était 9 balles là. De tête. On a claqué 9 balles là-dedans. C'est si doux, mec. Ah ouais, mais non. Ah, oh, c'est si doux. Touché. C'est vrai que c'est doux. On est d'accord. C'est un tour de volant. Allez, vendu. Suivant. Pierre m'a acheté ça pour Noël. C'est pas une vanne. Alors à la base, ça devait pas aller sur le multiplat, ça devait aller sur le 807. Mais pour le multiplat, c'est incroyable. Une trompette. Le meilleur klaxon du monde. Ah ouais, mais déjà, il pète les oreilles. Ah, mais c'est le but. Il est atroce, on pourra jamais le fixer, donc c'est de la merde. Allez. Suivant. Mais je suis sûr de savoir ce que c'est. Et ça, Pierre, tu vas surkiffer. À un moment, je pense qu'on a là le meilleur objet. Si j'y arrive, c'est-à-dire que... Oh, ah ouais, je vois ce que c'est. Ouais. Alors, waouh. Bon, j'ai fait n'importe quoi, et effectivement... Alors ça... Combien t'as payé ça?
En vrai, c'était même pas si cher, ça devait valoir 5 balles. C'est incroyable. 5 euros. Avec chrome. Ah ouais. Et ils sont lourds, hein. Avec, alors ouais, avec une fausse imitation titane pourrie. C'est nul, c'est tellement mal fait, il y a des mâchoires à la con. Donc je ne sais pas si on arrivera à le mettre, mais si on arrive à le mettre... Suivant. Ah ça, je crois que je sais ce que c'est. Vas-y. Ça, je crois que c'est moi qui l'ai acheté. Oh non. Le spoiler antenne. C'est fou. Nickel, le troisième se barre. Ah non, parce qu'il n'est pas fixé. Ah, super. Donc, pour c'est... cacher votre antenne. Alors, à la base, c'est un cache-antenne, du coup. Hein. J'avais ça sur, voilà, sur le lit. Voilà, on va l'utiliser comme spoiler. Il va falloir l'utiliser comme aileron de requin. C'est splendide. Suivant. J'espère que c'est moi. Je pense savoir ce que c'est. Ça va être abominable. Mais, ouais, c'est ça. Ah, c'est bon. Abominable. C'est abominable. Wouah. Ah ouais, mais d'accord, il y a des agrafes, en fait. C'est au-delà de toutes mes espérances. Non, c'est incroyable. C'est splendide. C'est au-delà... Ah, le pire packaging du monde. Attends, je vais alors, prendre... comment ça se fixe? Ah ouais, il y a du 3M. Alors, sur le site, j'avais pas vu qu'il y avait une grille en faux plastoc pourrave. Carbone. Non, c'est pas vraiment du carbone. Carbone plastique. Arrête, tu vas la péter avant même que ça arrive. Allez, suivant. Allez, moi j'y vais, je m'en bats les couilles. J'ai, à un moment donné, il faut arrêter de... J'ai pété le truc qui est dedans. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Ah ouais, pète rien, parce que déjà qu'on n'a pas de budget... Oh non. Oh. Les magnifiques badges. T'es incroyable. VA. Je les ai vus sur le site, j'ai failli les prendre. Tu les as pris. Suivant. Ça a l'air extrêmement fragile. Si tous ces petits trucs-là sont des badges, on en a pris un paquet. Moi, j'en ai pris plusieurs. Moi, je crois que j'en ai pris plusieurs aussi. Et ce n'est pas à moi, c'est à toi. Ah ouais, c'est moi qui l'ai pris, ça. Ah non. C'était pour le Tiguan. Le S-Line. Badge S-Line. Comme t'as abusé. Ah parce qu'en fait, à chaque fois, il y a moyen d'ouvrir facilement. En fait, il y a des ouvertures faciles. Ah non. Ah, ça craint. Le magnifique sticker carbone. Ça craint de... Alors, le problème, c'est que je pensais que c'était bien plus grand que ça. Mais parce qu'ils sont très, très... Alors, c'est vrai que normalement, dans les centres auto, normalement, t'as des vrais rouleaux, quoi. Voilà. T'as des bandeaux, quoi. Et suivant. Oh là, ça, c'est d'après ce qui est marqué, ça va être un truc à monter. Ça, c'est moi. Ouais, c'est un truc à monter. Je crois savoir ce que c'est. Oh là là. Ah ouais, si c'est ça. Ah c'est ça. C'est... Qu'est-ce que c'est? Les pédales sport. Rouge, putain, on est dans le thème rouge. Ce sont des pédales en aluminium. Pédales en aluminium et en caoutchouc. Je sais pas si on va pouvoir les mettre. Je sais pas si ça va s'adapter. Et suivant. Écologiquement, on est désolé de l'impact qu'on a eu là. Ouais, là on s'excuse vraiment auprès on a de... tué 5 ours polaires. On est vraiment désolé quoi. Une magnifique boîte en carton. Oui. Et tu remarqueras que la qualité de la boîte en carton, qui est absolument déglinguée, mais alors qui est pulvérisée avant même d'être arrivée. C'est quoi cette merde? C'est la pire chose de l'humanité, c'est-à-dire que... Oh non. J'étais persuadé qu'il était taille réelle. Attends, c'est un spoiler? C'est pour ça que j'étais étonné de pas avoir de colis grand, en fait. Mais à la base, je pensais qu'on l'avait... Tu m'avais dit que t'attendais un truc grand, et je t'ai dit on l'a pas reçu, on est obligé de tourner. Ouais. Mais on l'a reçu. Voilà, on l'a bien reçu. Mais c'est impossible, ça fait la taille d'une main. Parce que c'est marqué quoi sur le site? Et ça fait ça, quoi. Oh, les bâtards! Et ça va être un truc de fou. Si c'est bien ce que je pense... Oui! Oui! Alors ça. Ça... Est-ce que tu vois ce que c'est? C'est une puce de reprogrammation OBD. Enfin, c'est comme ça que c'était vendu. J'ai payé ça, je te jure. J'ai payé ça 3 euros. 3 euros, livraison comprise. Tu sais pour combien de chevaux? Ah, je ne sais pas. 30 chevaux, promis. 35 more power. Ah ouais, 35. Et 25% more torque. Sur le site, il était indiqué plus 30 chevaux. Donc 30 chevaux à 3 euros, faites le calcul, ça fait 10 centimes du cheval. Franchement, c'est le meilleur rapport qualité-prix ever pour un truc qui te fait monter des chevaux. Ça va être du badge, ça. Quoi ? Ah non. Il est pété ? Ah non, il est plié, c'est moi. Eh oui, c'est moi. On a le V8, maintenant on a l'AMG qui va avec. Je voulais l'AMG derrière. Ce sera le premier multipla AMG du monde et j'en ai rien à péter. Ce sera un multipla AMG S-Line. En même temps, les badges, on est d'accord. Plus il y a de badges, plus tu gagnes de chevaux. Ah, un badge, c'est égale, connu. Ah, ça, petite dédicace pour toi, Pierre. Merci. Ça me fait plaisir de l'avoir. J'ai vu ça, je t'ai dit, je dois te prendre ça. Airline. Le Airline, comme sur mon ancien feu Tiguan. Bon, allez, là, il y a deux badges. Du coup, on va les ouvrir ensemble parce qu'on va pas y passer la journée non plus. Voilà. Moi, j'ai. Je pensais que c'était un badge, mais en fait, non.
ça c'est moi ça. Mais non. C'est des petites LED. Mais qu'il faut mettre, je sais pas comment les branche par contre. Hein. Mais moi j'ai mon badge turbo. Allez, encore du badge turbo. Un petit badge turbinade. Il est atroce. Il est atroce celui-là par contre. Il est atroce. Mais il est rouge. Suivant. Qu'est-ce que c'est? Qui connaît ceci? Je ne connais pas. Ça se met dans le pot. Ouais. C'est pour faire du bruit, pour les sifflements de rapport. Ça va être le musical. Attends. Attends. Réclamation auprès de Wish. Je viens d'ouvrir. Il y a rien. Un colis vide. Non mais vide. Vide. Mais il y a rien. Et je suis pas débile. En vrai, c'est filmé. Il y a la GoPro qui est là. J'ai été malin. J'ai pris des LED. Si. Oh. Ah mais alors là, ont l'air, Alors là par contre, ah ouais, moi j'ai ça c'est allume-cigare ça. Et c'est bien sûr parce que moi je suis pas comme toi. Moi je me suis posé la question comment qu'on l'allume. Mais on l'allume à l'allume-cigare. Surtout que sur le multiplay il y a deux allume-cigares, me demandez pas pourquoi. Et surtout, moi ce qui m'a convaincu, c'est que tu as une télécommande et tu peux changer. Donc apparemment, d'après ce qui a été marqué, il y a des programmes et il y a des couleurs différentes. Alors ça m'a coûté presque 15 euros, c'est excessivement cher. C'est très très cher, ouais. Mais l'avantage, c'est que bah, ça devrait marcher. Alors juste un dernier truc, je t'ai vu arriver avec des sacs. J'ai failli oublier mes sacs. Et je crois savoir ce que c'est. Ah putain. J'ai pensé à ceci pour les étriers. Ah, merde. Et les tambours. Ah, oh, t'as tout pris en plus. Ceci pour les jantes. Car les jantes vont passer gold à la peinture. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec de la peinture gold? C'est blanc, c'est du blanc. C'est du blanc, ça, oui, t'es sûr? Oui, je suis certain. Bah, c'est vrai qu'avec du blanc, on va vachement plus faire de trucs, t'as raison. Bon, et ben, on va aller essayer de bosser sur ce multi-merde. Je ne sais pas par quoi attaquer tellement il y en a. Tu t'es déjà servi de ce genre d'engin? Non. Alors normalement c'est dans le sens des vissages. Alors est-ce que c'est la bonne douille déjà? Non, c'est pas déjà. C'est ça, c'est lui, c'est du 17. Elle est vendue. Alors. Ça va vraiment? Mec, c'est fou. Waouh. Alors contre, attends, par contre, avant que tu démontes tout, je vais peut-être le descendre. Parce que là la jambe va tomber. Quand tu vas enlever le dernier. C'est bon? Ouais. Ah. Ah. On bat les couilles. Voilà, c'est bon. C'est bon. Attends, je vais le faire. Je veux tester au moins une fois dans ma vie. Vas-y, vas-y. Ah, oh, j'aime pas ça. Un peu plus quand même. Ah oui, ça marche pas mal. Mec, c'est incroyable. Allez, je vais investir pour ça aussi chez moi. Et voilà. Ah, ça m'énerve. Et moi, heureusement que je suis pas mécano. Hein. Attends, mais vérifie si rentre déjà. Oh là 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 là. On est vraiment nul. Ouais, c'est bon. Ah, ça va. Moi, je suis mécano, je vous le dis. Merde, hein. Super. Oh. Alors. Alors, on a de la peinture blanche. On a des jantes pourries, on n'a pas de quoi poncer. Moi, dans mon souvenir, les jantes OZ sont souvent blanches. Ouais. C'est parti! Elles vont être peintes. Ah! T'as déjà peint la bombe? Oui. Jamais, moi jamais, hein. Eh, ça marche un peu quand même. Oui, ça marche, mais bon. Ah, ça marche pas mal en fait. Attends, ça marche super bien. Alors évidemment, toute préparation sportive d'un véhicule se fait via les traditionnels étriers rouges. Hein. Brembo. Bon, bien évidemment, Brembo si possible, et qui font gagner à eux seuls au moins 50 chevaux par roue. Minimum. Hop, comme ça le cancer est évité. Allez, on y va. Oui, bah, évidemment, hein, les étriers. C'est atroce. Pense aux chevaux gagnés, Pierre. Là, on est déjà en train de gagner une quinzaine de chevaux. Ah ouais,
Bah, j'ai foncé au mieux que j'ai pu, mais visiblement, c'est de la merde. Mais par contre, le rouge, il est couvrant quand même, celui-là, c'est bien. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il faut, ouais, parce que putain. Il t'évite juste le trou du centre, mais sinon, c'est beau, hein. Attends, ici. Oh, c'est fait sale. Ah ouais, là, je peux pas, malheureusement, celle-là. Et c'est tout. T'as pas besoin de. Alors, on a le pot d'échappement à mettre, mais le pot d'échappement là, il est là. Mais heureusement, j'ai été intelligent, j'ai prévu un truc dirigé comme ça, mais heureusement, j'ai été bête, c'est juste que ça ne rentre pas. Si on se débrouille bien et qu'on force à mort sur la visserie, ça peut rentrer comme ça, en force. Voilà, donc ouais. On va les enlever. Alors, ok. On fait ça dans les règles de l'art. Oui, toi en bas, qui... je vais faire l'équivalent de 3 mètres et ça va se barrer. Oh, c'est chiant. Ouais, c'est hyper relou. Allez, comment tu fais pour visser celui du bas? Ouais, bah, c'est ce que je suis en train de me dire. Alors, pour ceux qui se posent la question, 1, le multiplat, la boîte de vitesse est morte. Hein. C'est-à-dire que la boîte est totalement HS. On a tenté des choses, hein, n'est-ce pas, François? Merci à toi d'être venu nous aider. L'embrayage est cuit, parce que l'embrayage est complètement foiré. Les pneus sont morts, les freins à l'avant sont pas bien jolis. Le châssis est pas beau parce qu'il y a du jeu de partout. Donc globalement, ce multiplat, là, on a l'impression qu'on le déglingue. Non, il est déjà bien déglingué avant nous. Cassé, tous les cassés. Non, attends, c'est parce que je crois qu'il faut virer le... Il y a une languette, là. Je pense que comme ça, ça va marcher. Ouais, comme ça, ça marche à tête. Il est fou. Là, encore 50 chevaux de gagné. À aucun moment, je vois que ça puisse terminer bien, cette histoire. T'as raison, ouais. Alors ouais, ça, il faut qu'on en discute. Quelqu'un dans sa vie a pris du temps pour acheter ça, a dépensé de l'argent pour ça, est revenu chez lui et a collé ça sur la voiture. Donc on enlève et on va galérer. Là c'est chaud. Là à tout moment la main peut casser, me rester dans la main. On a de l'acétone, on a du nettoyant frein, on va la carboniser et ça va bien se passer. Putain ! Un fabuleux papier carbone sur ce capot. Non. Qui va finition être... carbone. Merde, c'est... Oh, regarde, c'est tout propre. Franchement, c'est beau ce que je te fais là. En fait, je vous explique. Aérodynamisme. C'est important. Lorsque l'air arrive ici, impacté là, vous voyez ? Et bien sur le carbone, ça glisse 14,67 fois plus vite. Donc en fait, au lieu d'arriver, regarde, je vous fais une simulation. Ça c'est l'air, je tape ici. Là, je glisse. Vous voyez ? Là, c'est le carbone. L'air arrive ici. Ça glisse directement, vous voyez ? Comme ça. Et là, tac ! On décolle directement. Et plus tu vas vite, plus t'as de chevaux. Ah, mais bien sûr, évidemment. Oui. C'est exponentiel, hein. C'est mathématique, hein, c'est... tout simplement. Enfin, j'ai appris ça au collège, moi. Scalpel ? Ben, j'en cherche un. Mais il n'y en a pas. Regarde ça, on dirait une lame que tu trouveras en prison. Ah ouais, ah, mais c'est le genre d'outil. Ça, c'est le truc. Tu sais, ça a été limé. Longtemps par un bagnard pour buter d'autres. Faut juste garder un peu d'autres de... co-détenus. Voilà. Waouh. Regarde. Ah, tu fais ça tellement pas bien. Ah là. Avec le carbone 14. Ouais, il va falloir une carte Leclerc. Ça va maroufler. Eh, c'est super bien collé en plus. Allez, YouTube Money, ça y va. Allez, YouTube Money, les gars. Je vous le dis. C'est tellement. Ça, c'est déjà sur le papier de base. Ça, c'est faire. Ça. Ouais, je l'ai un peu baisé ici, bon voilà, ça va se remettre. Avec la vitesse, ça va se... Avec la vitesse, ça va se claquer. Ouais. Et... Merde, ça. On va la race, frère. Attends, c'est pas si pourri quand tu sais que combien on a de points de QI à nous deux. Ah. Heureusement, c'est pour ça que je l'ai collé devant. Je me suis dit comme ça passera pas devant, par contre ça passera dedans, là ça va le plaquer derrière tout seul. Non. C'est fou. Il est si beau, c'est fou. Mec. Il est fou. C'est incroyable. Ici ce sera un V8. Voilà. Ça va être par ici que ça va se passer parce que ce multiplat sera le premier. Multiplat AMG du monde. C'est minutieux, mais ça sera bon. Oh merde. Putain. Ah, je suis une bite. Oui, attends, que je fasse pareil de l'autre côté. On le met pile poil
À côté du Clio, à côté évidemment. Du Clio, évidemment. Allez, ça roule. Ça, c'est parti en prod. Et moi, j'ai un V8 bien spécifique. Le V8 S-Line. Tu l'as même pas mal collé en plus. Bah oui. Attends, je vais quand même pas bien le coller. Tu l'as mal collé, c'est dégueu. Bah, je vais quand même pas bien le faire. Je l'avais juste ici de toute façon. Ah, Airline, ça va être fou. C'est fou. Airline. Ah, c'est beau, hein. C'est ah, le c'est... même qu'à la maison, hein. C'est le même. Mieux qu'avoir un moteur JTD. Un turbo JTD, ça très, c'est très puissant, très ça. Ça c'est extrêmement puissant. Ça. Attention, l'opération est délicate. Turbo JTD, il part en prod et il est là. AMG. On voulait faire un multiplat AMG, mais effectivement David nous a suggéré qu'un multiplat AMG c'était bien plus à propos. Bien descendre, voilà. Et bah, parfait, mais non. Si, c'est pas grave. On sait qu'il est là. C'est le multiplat AMG. Ah bon, allez mettre après les petites bandes, parce qu'elles sont importantes aussi, les petites bandes. Yes. Alors, il faudrait... Je le fous... Plus bas. Ouais. Comme ça? À peu près, ouais. Alors là... Bien au centre, Lévi. Bien droit. Ouais. Hop. Les patins ne tiennent pas très bien, parce que c'est pas super de la qualité. C'est-à-dire que là, ça va appuyer sur l'arrière du véhicule, le plaquer au sol et ainsi lui permettre d'atteindre au moins 250 km. You got one job. Il est pas au milieu. Il est pas au milieu, mais non. Il est pas au mais centre. Non. Oh merde, comment il est à droite? Il est grave à droite. Oh putain. T'as merdé. Allez, on décolle. Pierre. Quoi? On était débiles. C'est quoi? On était débiles. Oh merde. Mais oui, il fallait masquer jusqu'au bout. Oh non. Alors en vrai, c'est immonde. Ah mais oh mec, ouais, va... c'est immonde. Mais non, c'est incroyable, ça va donner. Ça va être les pneus mais étoiles. Mais non, ça va être atroce. Oh, regarde, ah non, mais là, eh, c'est des pneus étoiles, là. Mec, regarde, c'est incroyable. Mais tu savais, toi, que ça faisait de la poussière jusqu'au bout? Bah non, sinon je l'aurais pas fait. Bah oui, mais les jantes sont cool. C'est superbe. Moi, c'est incroyable. Splendide, c'est incroyable. Ah, il va falloir le mettre sur un chiffon et frotter bien propre autour, quoi. Parce qu'effectivement, le frein, il va attaquer la peinture et il va pas kiffer. Eh, mais on est trop cons, elles vont salir les jantes en fait. Centrage de jambes. Attends. Wouah, comme je me suis fait mal. T'es si mauvais, mec. Ah, mais je suis pas fait pour me servir de mes putains de mains. Yeah, on a deux mains par obligation génétique. Mais les miennes servent à rien. Comment tu fais? Tu donnes un coup de paume. Mais c'est ce que j'ai fait. Un vrai coup de paume. Tailladé, je me suis tailladé le poignet. Ah! Tu veux un bisou magique? Non! Une antenne de toit façon requin, parce que c'est la mode. Hein. OMG, le fiasco, ça tourne mal. El fiascendo. Tout tourne mal. Allez, de toute façon. Ah, ça marchera jamais ce que je suis en train de faire, sachez-le. Hein. Ne le faites pas chez vous. Parce que nique sa mère, je vais installer des pédales métalliques. Ah ouais, belle idée. Bon, attention, l'aileron de requin va être posé. Je crois que je viens de me rendre compte de la connerie que j'ai fait. C'est pas grave. C'est parfaitement pas droit. L'aileron de requin le moins aérodynamique du monde. Ah ça va, c'est... Ouais non, c'est pas droit. Non, c'est pas droit. C'est pas droit. C'est pas droit. Mais... Ça va, c'est pas droit. Ça aurait pu, hein. C'est quand même décrit en français, coussinet sportif pour les petzles. Mais non, faut percer. Oui, il faut percer. Et après, tu dois percer tel un gitan. Ok, alors, on va réfléchir et puis on vous rappelle. Allez. À aucun moment ça rentre. J'ai besoin de ton aide. Tiens bien haut. Ça marchera pas, ça marchera. Ça marchera. Oh oui. Merde. Voilà. Allez. Ah, là. Ah c'est... Là c'est le style. Hein. Là tu vas pouvoir faire du... Oh. Eh ben nickel. Ah c'est comme ça le vide vitesse en fait. Ah bah c'est cool alors.
Hop, on a qu'à interchanger l'accessoire, de toute façon c'est l'accessoire. J'en ai marre de... Ah putain, j'avoue. Hop. J'avoue. Tac. Si, ça marche. Tac. Si, si, ça fonctionne. C'est bon. Deuxième grand moment. Et là, pour le bouton, on fait comment? Comme ça. À travers. Ça craint. Ça pue la merde. Voilà, les formidables pédales. Ça, ça fait 30 chevaux, en théorie, hein, ouais. L'OBD. Si déjà la voiture marche quand il y est, je trouve que la victoire est déjà là. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que ça n'éclate pas le moteur. En vrai, qu'est-ce que c'est? Comment? Yes, c'est incroyable. Alors, ouais, ça, c'est vraiment une péritelle en fait. On en parle? C'est ça. Voilà, là. Ça rentre pas. Ah ouais, c'est dedans. Ah ouais, ça s'allume en vert. C'est ça qui vient de faire ce bruit? Non, c'est le téléphone. Là, ça va. Et ça marche encore! Ça marche! Si, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a bien les 30 chevaux promis sur la boîte? On le verra dans une vidéo ultérieure, voilà. Mais c'est prévu. Pédales. Les pieds. Ah ouais, les pédales plus les pieds là, c'est dingo. Alors attends, moi j'ai le... Alors. Bing. Et regarde, je peux faire ça. Waouh, mode sport. Surtout, je note les compteurs sport. Oui, bien sûr. Qui peuvent passer en rouge quand tu passes en mode sport. Et attention parce que regardez. Tchac. Tchac. Poussez-vous. Le test. Alors ça tient vite fait, hein, mais... Là, ça pète le crâne, c'est l'enfer. Ah, ça c'est rouge. Ah, ça marche déjà plus. Eh ben super, faut que tu mettes plus fort. Ah, attends. C'est tombé. Ce multiplat est pas dégueu. Ce multiplat MG est devenu absolument incroyable. C'est rien qu'avec les SIG, il y en a pour 500 chevaux. Ah mais là tu vas rentrer chez toi plus vite que ce que t'es arrivé. Ah ouais, là c'est dingue. Petit truc parce que déjà, maintenant il va falloir que je rentre avec sur la route. Je vais avoir extrêmement honte. Voilà. Mais quitte à avoir honte jusqu'au bout, il y a des potes de chez Benzine. Ils ont fait, placement de produit à ce moment, ils ont fait une collection limitée de t-shirts avec le multiplat Vilebrequin. Limiter les enfants, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pourquoi on a fait ça? Juste pour le délire de se dire qu'on peut porter un multiplat sur nous. Voilà, et les t-shirts sont de jolies factures, tout à fait soyeux. Effectivement. En vrai, ils sont pas mal. On est très heureux de les avoir. Ils sont disponibles chez Benzin, le lien est en description, évidemment. Si vous avez d'autres idées, surtout, n'hésitez pas à nous les proposer. Enfin, je sais pas, du coup. Et maintenant, il va falloir rentrer. Un, il y a de la peinture sur les disques. Je risque de mourir en prochain freinage. Voilà. Deux, je suis absolument ridicule. Qu'est-ce trois, j'ai moyen de perdre environ 50 éléments qu'on a collés. Ça tiendra jamais. Il y a le pot. Le pot. Il est bien vissé, hein. Mais ça tiendra pas. Ça tiendra jamais. C'est pas possible. Merci de nous avoir suivis. Peut-être à une prochaine fois, si je survis. Et on vous embrasse très fort et on revient très vite. Gros bisous. Il est atroce.
Il est...